Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de la distillerie familiale, la favorite à Fort-de-France. Nous avons rendez-vous avec Franck Dormois, le gérant du domaine. Je vous donne un petit peu d'histoire, histoire que vous soyez dans le bain, quoi, d'accord. Alors, c'est une très vieille distillerie, elle date de 1770, et à la base, c'était une sucrerie, ok. Il faut savoir que dans les Antilles, justement, les colonies à l'époque étaient vachement intéressantes pour l'Europe par rapport au sucre de canne, puisqu'il n'y a pas de sucre de betterave. Donc, c'était vraiment l'endroit où la canne poussait et où ils pouvaient avoir du sucre de betterave, du sucre de canne, etc. Voilà. Donc, c'était plutôt la chose qu'on faisait avec la canne, en fait. Hein, okay. Et puis après, avec les déchets, c'est-à-dire, ce que vous connaissez, c'est la mélasse, ils ont commencé à les faire fermenter, puis à en faire du rhum, quoi. Hein. Ils appelaient ça le tafia à l'époque. Ils l'utilisaient pour panser les animaux, pour boire aussi, etc. Mais c'était des rhums, comme vous connaissez, qui étaient un peu dépourvus de goût, puisqu'en fait, tout le goût était parti dans le sucre de canne. Le goût de la canne même, c'est surtout parti dans le sucre de canne. Et puis après, on avait un sirop, la mélasse qui était avec moins de parfum. Voilà. Et puis en fait, dans la fin des années 1800, il y a eu la crise sucrière. Parce que justement, il y a eu le sucre de betterave qui a fait son apparition sur le cours du marché en Europe et tout. Donc, beaucoup de petites sucreries dans les Antilles ont fait faillite. Et donc, justement, la favorite, qui s'appelle la sucrerie de la Jambette, a fait faillite, a fermé. Et mon arrière-grand-père, qui était agriculteur à Saint-Pierre, en 1902, vous savez, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée. Et donc, il a perdu son exploitation à ce moment-là. Et donc, il a trouvé cette sucrerie qui avait fait faillite et donc qui était en vente aux enchères, qui avait fermé, quoi. Et donc, il a racheté. Et puis, comme le sucre, ça ne marchait plus, il a transformé la production de sucre dans une production de rhum agricole, qui était le produit qui était un peu en vogue à ce moment-là, qui commençait à prendre, puisque chacun commençait à se reconvertir un petit peu, quoi. Voilà. Et puis, il a modernisé. Quand il a acheté, en fait, il y avait une roue à aube avec un petit moulin à la sortie, et puis les gens mettaient la canne à la main comme ça dans un petit moulin, donc c'était vraiment obsolète, quoi, comme production. Et puis il a modernisé, le top de la technologie du moment, c'est la machine à vapeur. Mmh. Donc il a installé toutes les machines à vapeur en 1905. Voilà. Et la particularité, c'est qu'on a fonctionné jusqu'à cette année avec cette machine à vapeur, broyage, etc. Et on vient d'investir en fait cette année dans des nouveaux moulins et des moteurs hydrauliques. La machine à vapeur continue à tourner. Alors premièrement, pour la beauté, parce que l'histoire, la beauté, etc., c'est important. Mmh. On continue à faire fonctionner. Et on ne démarre pas les moulins si on ne démarre pas la machine à vapeur. Ça va de pair, puisque même si elle n'entraîne plus les moulins, mais c'est elle qui fait le graissage des moulins. Donc le graissage, en fait, voilà, vous allez voir, c'est une espèce de tête, comment dire, ça ressemble un peu à une pieuvre, quoi. Et puis il y a une hélice dedans, et c'est actionné par la machine à vapeur, et ça pompe pour aller graisser les moulins, quoi. Voilà. Et puis pour les touristes et tout, c'est quand même plus sympa, etc. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a investi dans ce nouveau moulin? C'est qu'en fait, les moulins qu'on avait avant, on avait des moulins à trois rôles. Et on avait une extraction qui était mauvaise. On avait à peu près 70% d'extraction, quand avec ce nouveau moulin-là, on peut arriver à 90%. Vous voyez. Donc, et comme la canne, elle se fait rare, qu'elle est de plus en plus chère, on a fait le choix finalement d'investir dans ce nouveau moulin-là pour gagner ces 20%-là d'extraction en plus. Voilà, quoi. Voilà. Donc à l'époque, je vous disais, il y avait une roue à aube. Donc il fallait de l'eau qui arrive au-dessus de la sucrerie de l'époque pour avoir un effet de gravité et faire tourner cette roue à aube. Donc l'espèce de monument en pierre que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la digue ici. Et donc on a un canal qui fait 3 km de long à travers les champs de canne qui se trouvent par là-bas. Donc tous nos champs de canne en fait sont autour de chez nous. On a 50 hectares par là et à peu près 20 hectares de l'autre côté. On est autour de 70 hectares en propriété de canne. Et donc il y a un canal qui fait 3 km et qui achemine de l'eau captée dans la rivière en amont pour acheminer l'eau au-dessus de la distillerie et pour avoir un effet de gravité pour à l'époque justement faire tourner cette roue à aube. Et mon arrière-grand-père, quand il a modernisé, il avait toujours besoin de cette eau, déjà pour faire refroidir les moulins, mais aussi pour fabriquer la vapeur. Voilà. Donc on capte toujours cette eau-là par gravité, sans pompe, sans rien, pour refroidir les moulins et fabriquer la vapeur. Voilà. Okay. Et donc le système de la digue, en fait, c'est qu'il y a à la sortie du canal, donc arrivé ici, il y a un système de plusieurs bassins et l'eau, à un moment, elle va passer au-dessus d'une chicane, après en dessous, au-dessus, etc. Et ça permet de décanter les boues, les sables et tout, et d'avoir de l'eau propre, en fait, à la sortie, quoi. Voilà. Okay. On y va ? Vous voyez, dans la partie gauche,
Alors vous avez vu toute la pignonnerie, on a commencé à la démonter. En principe, les pignons qui sont là, ils sont posés dessus, etc. Ah, oui. Et là, on a commencé à démonter, pouvoir regarder l'usure des paliers, pouvoir démonter les moteurs, etc. Donc c'est pas tellement le meilleur moment parce que c'est vrai que tout est un peu en... On peut voir les entrailles de la machine. Souvent les gens pensent qu'en fait il y a la campagne et que ça s'arrête, mais ils oublient qu'il y a des fois 8 mois d'entretien en fait des machines. C'est beaucoup d'entretien. Pour nous c'est intéressant de montrer justement aux auditeurs tout le back-office de la distillerie. Exactement. C'est ça, hein. Beaucoup de gens, même quand ils viennent ici, ils ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a en amont aussi. Exactement. La plantation de la canne, de la coupe. Nous, chez nous, on coupe la canne entièrement à la main, à l'ancienne, donc il y a du boulot, c'est pas... Voilà, on arrache les herbes à la main aussi, on n'utilise pas de désherbant, enfin, c'est quand même assez vertueux, quoi. Les gens ne se doutent pas de ça, en fait. Hein. Voilà. Et ça a combien d'années, ça ? Alors, 1905. Voilà, donc et ça a plus de 100 ans. Avant, ah ben, pareil, avant, ils étaient même plus forts qu'aujourd'hui. Avant, ils étaient très bricoleurs, très... Voilà, il y avait en Martinique beaucoup de tourneurs faiseurs, il y avait des fonderies, ils arrivaient à fabriquer des pièces. Et c'est marrant parce que maintenant, vous êtes obligé d'aller vous débrouiller beaucoup exactement. Mieux que nous. Exactement. Alors qu'on a plus de technologie. Parce qu'en fait, simplement, c'est que c'est à cause du coût. Et les coûts de fabrication sont bien supérieurs en France et en Martinique que dans l'Amérique du Sud, etc. Avant, en Martinique et en Guadeloupe, chaque distillerie avait son tonnelier. D'accord. Donc il y avait des tonneliers dans chaque distillerie. Eh bien, aujourd'hui, on peut faire acheter les tonneaux déjà tout fait de France, les faire venir dans des conteneurs même vides. Et ça coûte moins cher que d'embaucher toute l'année un gars qui est là à faire un tonnelier. Quoi. Vous voyez ouais. Donc c'est la compétitivité tout le temps, c'est le gain. Voilà. Alors là, on a la partie justement fabrication de compost en face là. Oui. D'accord. Donc là, vous avez vu, j'ai une pelle qui est là. Elle est en train de rassembler un petit peu la bagasse de l'année et pour pouvoir la faire se décomposer. Vous avez vu l'espèce de chaleur qu'il y a. Mm-hmm. C'est qu'en fait, qui dit décomposition, dit fabrication de chaleur en fait. Hein. Donc ça chauffe, hein, la bagasse chauffe avant de pouvoir se transformer en bon compost. Et il faudra à peu près 2 ans de décomposition pour ensuite ça servir comme compost dans les jeux que tu as laissés au fond là-bas. On peut pas exactement. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Non. En fait, la bagasse fraîche, quand elle se décompose, elle a besoin d'azote en fait pour se décomposer. Si tu mets ça sur ton sol, eh ben, ça va puiser l'azote de ton sol pour se décomposer. Et donc ta parcelle, elle va manquer d'azote après, etc. C'est ce qu'on appelle des feux en azote. Il faut d'abord la faire se décomposer, et là justement elle va s'enrichir en azote, en potasse, etc. Et une fois qu'elle devient noire comme ça, là, comme ce que vous voyez là, là elle est bonne après pour l'amendement dans les parcelles. Quoi. Et au bout au mois de février, quand on va démarrer, on va commencer à remplir la première cuve et on va ensemencer dans cette première cuve des levures. Donc, ce sont des levures naturelles qu'on achète et qui sont endormies, quand elles sont sèches. Mmh. Et quand elles arrivent dans un milieu adéquat, elles se réveillent, elles se développent. Et pour se développer, en fait, elles font ce qu'on appelle la division cellulaire. Donc en gros, elles se divisent très très vite et en quelques heures, on a des millions de levures dans la première cuve. Et en fait, on va faire de cette cuve-là une cuve mère pour ensemencer ensuite toutes les autres cuves pendant tout le reste de l'année. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'ensemencement de levures sèches qu'on aura achetées, en fait, ça ne fait qu'au début de campagne. Quoi, hein. D'accord ? Okay. Donc on appelle ça du coupage. Et en fait, il rejoint chaque cuve. Okay. Il y a des vannes entre chaque cuve. Et en fait, par l'effet des vases communicants, il y a des tonnerres. Hein. Ouais. Par l'effet des vases communicants, on va mettre un peu de la cuve mère dans l'autre cuve de jus frais qu'on est en train de remplir, etc. etc. Voilà, ça s'appelle du coupage. Alors nous, on a une particularité, c'est que comme je vous disais, qu'on a une petite production, on va faire des fermentations lentes. Okay. On fait des fermentations en 72 heures, 3 jours, c'est beaucoup. Hein. Beaucoup. Mmh. À l'ammonie, par exemple, c'est 24 heures. Oui, c'est 24 heures. 48, ouais. Voilà, mais plutôt 24, hein, je vous le dis. ils font, imaginez, Saint-James, par exemple, ils font plus de 4 millions de litres par an. Nous, on fabrique à peu près 400 000 litres, quoi, vous voyez. Ah ouais, ils font plus de 10 fois plus que nous, et dans le même laps de temps. Donc, ils sont obligés de booster la fermentation, d'aller plus vite. Et ça joue en fait sur le goût, hein. Il n'y a pas de secret. Alors, en fait, ça c'est mon avis personnel. On fait 3 cuves par jour en remplissage, ça va rester 3 jours en fermentation et chaque jour on va distiller les cuves d'il y a 3 jours, vous comprenez? Okay. Que les 3 premiers jours on va commencer à produire, on va pas distiller, on va commencer à distiller au bout du 3e jour, d'accord? Et après chaque jour par contre on va distiller les cuves d'il y a 3 jours, etc. et ça fait un roulement en fait. Hein. Okay.
Et donc quand on est en fonctionnement, dans chaque cuve en fait, il y a un stade de fermentation différent. Okay. Quand les levures sont en plein travail, on a l'impression qu'il y a une espèce d'ébullition dessus. Vous avez déjà vu ? Il y a beaucoup de gens qui me disent mais vous chauffez en dessous, etc. Parce qu'il y a une espèce d'ébullition. On chauffe pas du tout. C'est vraiment les levures qui font leur travail et qui bouffent le sucre et qui fabriquent de l'alcool en fait. Voilà. Et après, au bout de 3 jours, on dit que la cuve est tombée. Ça veut dire que d'un coup, ça devient le calme plat dessus. Et ça veut dire qu'en fait, toutes les levures commencent à mourir parce qu'il n'y a plus du tout de sucre à manger. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus que de l'alcool dedans et elle est prête à être distillée. Donc on dit que la cuve est tombée. Donc à ce moment-là, on prend un échantillon, on mesure le degré d'alcool grâce à un ébulliomètre et on a des cuves qui tombent à peu près à 5,5 degrés d'alcool, comme une bière à peu près. D'accord ? On a ce qu'on appelle l'authentique. L'authentique, en fait, c'est le rhum de base, en fait, etc. Mais même s'il est très bon, par exemple, cette année, on a eu la médaille d'or pour l'authentique. Donc, ça ne veut pas dire que, parce que je dis qu'il est de base, qu'il est mauvais. En fait, il peut même être meilleur que l'autre. Mais en fait, ça nous permet vraiment de séparer les deux rhums. Et donc, avec celle-là, en fait, l'authentique, et avec celle-là, en fait, tout ce qui est cœur de canne et le bel air ou la digue. Ce sont des rhums monovarietaux, monoparcédéens, en fait. Et la créole aussi. La créole, c'est que ça, voilà. Pourquoi ? Simplement, c'est que j'ai fait ce choix-là parce que celle-là, elle est entièrement en cuivre. Et il faut savoir que le cuivre est meilleur conducteur de chaleur que l'inox. Celle-là, elle est en partie inox. Et donc, en fait, en théorie, comme c'est le meilleur conducteur de chaleur, elle devrait être plus équilibrée que celle-là. Mais c'est de la théorie, d'accord. En tout cas, ça me permet de séparer les deux rhums et tout, et d'avoir une... des fois, celle-là est meilleure que celle-là et tout. Faut pas croire que lui, parce que c'est du cuivre, il est meilleur. Mais c'est ça qui est bien dans le rhum. C'est comme la cuisine, ça. C'est comme la cuisine, voilà. Exactement. Voilà. Même plat dans deux canaries différents, des fois, exactement. Ça fait le même goût. Alors, tu as raison. Elle a combien de plateaux, la colonne ? Alors, il y a 20 plateaux d'épuisement et 8 de concentration. D'accord. Voilà. Il y a les deux colonnes qui sont représentées, celle de gauche et celle de droite. Donc, il y a tout. Il y a les températures de haut, de milieu, de bas de colonne, etc. Il y a la quantité. Alors là, pour l'instant, c'est arrêté, donc on ne voit pas forcément les chiffres. Hein, mais... là, on voit la quantité de vapeur qui rentre, la pression, on voit aussi la quantité de rhum qui sort, litre par heure. C'est la quantité de rhum qu'on voit au moment même qui est en train d'être distillé. Quoi. Le cubeur, etc. Voilà. Et en fonction de ça, le distillateur, il peut, hop, si par exemple elle est à 6 mètres cubes, il peut augmenter justement la quantité de vin qui rentre par rapport à un peu tout. Et franchement, c'est génial. Servent pour faire le vieillissement de ce qu'on appelle les rhums élevés sous bois ou paille ou ambré. Okay, donc ce sont des rhums qui ont moins de 3 ans. D'accord. Et puis ils nous servent aussi pour faire les assemblages de nos rhums vieux. D'accord. En l'occurrence, ce qu'il y a dans celui-là, le cœur de rhum, justement c'est l'assemblage de plusieurs fûts de la même année par contre, de 2016, de notre cœur de rhum. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, on va pomper pour aller faire les mises en bouteille au besoin, etc. Quoi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le vieillissement des rhums vieux dedans ? Parce qu'en fait, pour l'AOC, on dit que dans le cahier des charges de l'AOC, en Nord-Martinique, on dit qu'il y a une certaine proportion de bois par rapport à la proportion de rhum. D'accord ? Et on ne peut pas faire vieillir du rhum vieux dans des fûts de plus de 650 litres. Okay ? Comme ceux-là font 15 000 litres, même si c'est du bois de chêne, qu'il y a quand même un vieillissement, mais la proportion n'est pas assez forte pour que le vieillissement soit optimal, etc. Voilà. Par contre, c'est autorisé pour les rhums paille ou le sous-bois, en vrai, c'est pareil. Quoi. Justement, pour briser la question, vos fûts, ils sont de moyenne de combien ? De 200 litres ? Alors, j'ai plusieurs. En là, c'est 15 000. Là, regardez derrière vous. Si j'ai de 300 litres libres, je peux. En fait, c'est pas forcément un type de fût qui va me faire un type de rhum. Non, c'est okay. Alors, donc là, c'est des 180 litres que vous voyez là. Donc, j'ai plusieurs capacités de fût. Alors, pour vous donner un petit peu la traçabilité qu'on a ici, par exemple là, 19, en fait, c'est l'identité du fût. D'accord. Donc, chaque fût, quand il arrive ici, est numéroté à son numéro et ne changera jamais de numéro. Son numéro de l'eau. Son numéro, voilà. Et puis, 0816, ça veut dire août 2016. D'accord. Okay. Donc, à ce moment-là, c'est le vieillissement de août 2016. Quand je veux, par exemple, dépoter, ça veut dire je veux... pomper pour faire une mise en bouteille, par exemple avec le pyramide. Après, je tape sur mon ordinateur, fût numéro 19, et je sais exactement quel âge il a, combien de vieillissement il a fait, et par rapport à ça, je vais décider si je vais refaire un autre vieillissement ou pas, ou si je vais le bazarder, etc. Enfin, parce que vous savez qu'un fût, ça a une vie quand même. Hein. On sait que ça peut vivre à peu près 40 ans, tout dépend du nombre de vieillissements. Oui. Donc si par exemple c'est un fût par exemple, qui a 20 ans, je sais que je peux encore le tenir encore un peu.
Et je ne vais pas aller faire un vieillissement de Flibus, par exemple, dedans, parce que je sais qu'il va rester très longtemps. Donc je vais aller faire un vieillissement, des jeunes vieillissements, 4, 5 ans, 6 ans, voilà. Okay. Donc en fait, toute la logistique, elle passe par ce numéro-là, qui nous permet après de décider quel type de vieillissement on va faire après. Quoi. Okay. Alors, j'ai des fûts. Traditionnellement, en Martinique et en Guadeloupe, on a beaucoup de fûts d'occasion. D'accord. Pourquoi? Parce que le prix, déjà, vous savez que les fûts neufs, ça coûte une fortune. Vous avez vu les fûts neufs que j'ai là-bas, hein, c'est 970 € chaque fût, okay, sans le transport. Hein, okay. Et donc, traditionnellement, on a toujours utilisé les fûts d'occasion pour le prix, mais aussi parce qu'en Martinique et en Guadeloupe, on a une chaleur toute l'année qui est assez énorme. Il faut savoir que la chaleur va permettre une bonne infusion du bois dans le rhum. D'accord. Et donc, plus on a un bois neuf, et plus on a du boisé qui va arriver vite dans l'Europe. Et trop de boisé, c'est pas agréable. Vous voyez, ça donne une astringence, une amertume qui n'est pas agréable à l'Europe. Donc c'est pour ça qu'on a toujours traditionnellement utilisé le fût d'occasion. Mais on sait que les fûts neufs, c'est quand même pas mal parce qu'on peut aussi choisir la chauffe, la maturation du bois, le type de bois. Et puis on sait qu'il y a certains arômes qui disparaissent un peu dans les premières années du fût, quoi. D'accord, des arômes un peu torréfiés, un peu noisettes, etc., qui peuvent partir assez vite, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant finalement. Donc depuis quelques années, les romiers commencent à utiliser des fûts neufs pour apporter des petites choses différentes, etc., au rhum. Créer une identité. C'est pas mal. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut jamais laisser trop longtemps un rhum dans un fût neuf, parce que ben on sait qu'au bout de 2 ans, ben il va avoir trop de tanins, il sera pas agréable. Donc, il faut transvaser, voilà. Donc, et comme on sait que pour avoir l'appellation rhum vieux, il faut avoir minimum 3 ans, et qu'on ne peut pas laisser 3 ans dans un fût neuf, enfin, c'est pas conseillé, quoi. Il faut souvent laisser un an et demi dans un fût neuf, et après le transvaser dans un fût d'occasion, etc. Donc c'est quand même une logistique à prendre qui est différente, et c'est pas facile, quoi. Voilà. Vous avez vu, en fait, on a 3 strates dans nos chaînes de vieillissement. On a le sous-sol qui est là, où il fait très frais, où il y a une hygrométrie qui est importante, etc. Ensuite, on a la strate intermédiaire, là où on est à peu près, hein, tout le plateau ici, là, tout ça. Et puis après, on a l'étage. Okay. Pourquoi? Parce que, premièrement, justement, pour que en bas, on sait que si ça reste 25 ans, comme la Flibus, il ne faut pas qu'il y ait trop de bois qui se transmet dedans. Donc si je le mettais là-haut, déjà il y aurait eu trop de tanins, ça aurait été désagréable, etc. Donc on a tout intérêt à le garder au frais avec une hygrométrie importante justement et pour qu'il n'y ait pas trop de tanins qui aillent dedans, premièrement. Deuxièmement, pour la part des anges, si je laisse un rhum 25 ans, je vais perdre trop si je mets ça là-haut, quoi, hein, d'accord. Nous remercions chaleureusement La Favorite et particulièrement Emmanuel et Franck. Si vous avez aimé notre contenu, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne.